j'ai yo Pougon Selmé. Cette histoire extraordinaire est celle de Dame Ngesson Jocelyne qui a expérimenté la puissance de Dieu malgré l'oppression de l'adversité au travers loin de Dieu, le prophète des nations, Oli David. En effet, Dame Ngesson Jocelyne est enseignante dans un établissement privé de la place, vivant avec son mari, M. Mambo, directeur d'école. Tout allait bien jusqu'au jour où elle tomba enceinte. Ensemble, suivons ce témoignage. Son état est grave. C'est grave. Dieu ouvre les yeux. Le cordon ombilical de l'enfant a attaché son pied. Le pied gauche. Le pied gauche a attaché, hein, est attaché par le cordon ombilical. Donc il faut là rapidement une intervention divine, un miracle. Il faut l'huile, l'eau, mais quelque chose qui l'absorbe. Absorbe. Donc il faut vous aller au niveau. Madame, celui-là est bien vite la première. Mon état est critique et très sérieux. L'ennemi avait décidé que son enfant allait naître même pas. Mais le Dieu vivant, le Seigneur Jésus-Christ, Dieu du côté de David, n'avait pas dit son dernier mot. Et voilà ce bébé-là
Donc, la médecine avait déclaré qu'il venait par césarienne. Mais avec les prières de l'homme de Dieu, l'enfant est né sans césarienne. Gloire à Dieu. Le Seigneur est merveilleux. Il est tout beau, il est tout mignon. Un joli bébé. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Je m'appelle Anguissa Jocelyne, je suis enseignante. Depuis le début de ma grossesse, vraiment, j'étais vraiment attaquée, beaucoup malade, très malade même. Et je ne savais même pas que j'allais vraiment m'en sortir de là. Mais par la prière de l'homme de Dieu, tout s'est bien passé. Il m'a suivi depuis le début de la grossesse jusqu'à terme. Et de là, maintenant, il me disait, la médecine a dit que je suis anémie. L'anémie, au fur et à mesure, je prends le médicament, pareil. L'homme de Dieu même me donnait aussi des huiles, son huile consacrée et son eau consacrée. C'est par là qu'il me remontait et j'avais la force. Mais malgré ça, là, le diable était toujours là, il était toujours derrière moi. Mais Dieu, l'homme de Dieu aussi ne se décourageait pas. Lui aussi, il était toujours en prière avec moi. Il me disait, ma fille, ne te décourage pas, on va continuer. Que tout ça, là, le diable n'aura jamais la victoire sur toi. Et de là, maintenant, après maintenant, il a dit non, qu'il avait un esprit de mort chez moi à la maison. Que il est venu faire un camp. Il s'est parti faire le camp. Après le camp, il a brisé l'esprit de mort. Et on a rapporté la victoire. Mais le diable était toujours derrière moi, était toujours là. Mais pour la prière de l'homme de Dieu, tout a été brisé. La médecine a dit non, qu'il devait accoucher depuis le 20 décembre. Le 20 décembre est arrivé, pareil, il n'y a pas d'accouchement. Il s'est allé encore voir l'homme de Dieu, il dit, ah papa, voilà encore. Il me dit non, c'est le 20, il doit accoucher. Mais jusque-là, rien. Il dit, ma fille, reste tranquille. Dieu au contrôle. Le père de Louis David a permis aussi que cela se soit brisé. Il a prié. Le dimanche 29, il a prié. On est parti à l'hôpital, il est là-bas, on dit non, que vraiment ça en coup, mais c'est pas encore arrivé. On n'a qu'à retourner à la maison. Le 1er janvier, on est reparti à l'hôpital, arrivé là-bas, j'ai accouché sans problème. La médecine avait dit que c'était césarienne, mais Dieu a renversé la situation et j'ai accouché à voir passer. Donc il dit merci au Dieu du prophète Olivier David, merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Toute personne qui a ce problème, dites-vous que Dieu est vivant. Et le Dieu du prophète Olivier David, c'est un Dieu vraiment véritable, un Dieu vivant. Un Dieu qui n'abandonne pas, un Dieu vraiment avec lui, quand tu t'approches à lui, tu as vraiment la victoire. Et j'ai obtenu la victoire. Donc, toi tu es à la maison, si tu écoutes ce témoignage, viens à la MIDG. La MIDG est située à la Seine-Mer. Le frère Mambo Jean, membre de la MIDG, responsable du service social, et je viens juste vous dire que nous avons vécu des difficultés, ma femme et moi. Il faut dire que l'ennemi a voulu nous amener dans la détresse, mais il a échoué. Il a échoué par la grâce de Dieu, il a échoué parce que le Dieu de Papa Louis David n'a pas permis que cela se réalise. Et par sa grâce, nous sommes rentrés en 2020. Je bénis le nom du Dieu du prophète Louis David. Et je prie tout un chacun de nous qui a des difficultés de ne pas baisser les bras, de prier, de continuer à servir notre Dieu, à poser d'exact qu'il faut. Parce qu'aujourd'hui, si nous n'étions pas là, à ce lieu, aujourd'hui, on ne sait pas ce qui allait nous arriver. Mais c'est le Dieu de Papa David qui a permis aujourd'hui que nous ayons la victoire. Nous avons eu beaucoup de difficultés. Elle vous a déjà expliqué, elle vous a déjà dit ce qu'elle devait dire. Ce que je peux dire encore pour terminer, c'est que nous avons la victoire. Et nous savons que notre Dieu va continuer à agir, va continuer à nous protéger. Et vous aussi, faites comme nous. Venez à la MIDG et désormais, confiez tout à Dieu. Confiez tout aux hommes de Dieu que nous avons. Parce que ce sont eux qui sont notre couverture. Chers fidèles de la MIDG, nous sommes entrés dans l'année 2020 qui est pour nous une
belle année qui sera une année glorieuse, une année victorieuse. Et par le prophète Olivier David, ce matin, nous sommes là dans la maison du frère Mambo qui était visité par la puissance de Dieu. Son épouse qui était enceinte lui a donné un gros garçon le 1er janvier 2020. Et nous sommes là pour dire bonne arrivée au bébé avec ses quelques morceaux de savon et ses bouteilles de Javel. Donc la famille Mambo, la grande famille Mitégé, avec à la tête le prophète Oli David, vous dit bonne et glorieuse année 2020. Amen, amen. Que cette année soit une année joyeuse, une année excellente, une merveilleuse année. L'ennemi nous a attaqué durant 2019. Il n'a pas pensé que vous allez entrer en 2020 avec la joie. Mais il a échoué parce que le Dieu que vous adorez, le Dieu du prophète Olivier David est un Dieu puissant, un Dieu merveilleux, un Dieu qui n'abandonne pas ses enfants. Il a fait de votre combat son combat. Et quand le Dieu Tout-Puissant se lève, ses ennemis sont toujours couchés. Et voilà, le couple Mambo est dans la victoire. Le couple Mambo aujourd'hui est heureux parce que le Dieu du prophète Olivier David a visité ce couple. Que la gloire et la victoire revienne à ce grand Dieu que nous adorons. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.